entendu ça. C'est ce que l'enseignant PNL devrait devenir. Passionné de l'humain, toi qui vas voir la personne humaine de bon, une occasion unique t'est offerte. C'est le Salon international de programmation neurolinguistique. C'est le salon du coaching professionnel authentique. Savoir ta mission de vie et ta raison d'être en ce monde. Sur personnel, professionnel, tu veux des changements dans ta vie. Viens chez le coach. Coach de profondeur. Vigile du bien-être. Levier du changement. Coach PNL. Gérer des échecs, des situations de crise, tu veux quitter la porte. Ok, t'as pas un micro. Il va chercher toi. Nul n'est rien sans son bord. Voilà, avant de chanter, je voudrais dire quelque chose. Depuis 2 ans que je me suis inscrite au CFCI et que nous avons commencé des formations, chaque fois, Cyril me chatouillait en me disant, mais patience, tu chantes, fais-nous quelque chose. J'ai dit, Cyril, non, cette PNL est tellement forte que je veux qu'elle possède tout mon être. Et après, je chanterai, tu verras. Et au milieu de toutes les occupations, mon directeur le sait, hein, j'ai trouvé du temps parce que la PNL a transformé ma vie. Parce que la PNL est allée jusque dans mes os. Et les chants ont commencé à sortir tout seul. Alors vraiment, DJ, sommes et dansons avec la PNL. Tu veux vivre avec cohérence, tes valeurs. Tu nous as dit.
joie de vivre.
entrepreneur, tu es politicien, éducateur. Tu veux clarifier ta vision, tes objectifs, ta mission. Tu veux des changements dans tes organisations. Viens, Shalom Coach. Coach des profondeurs. Vigile du bien-être. Levier du changement. Coach PNL. Avec conseil et meilleur du potentiel humain. Tu veux te fixer des objectifs sur le plan personnel, professionnel, académique et scolaire. Tu veux apprendre à gérer tes affaires, ton argent et ton temps. Tu veux mieux organiser ta vie. Changement. Coach PNL.
PNL du coaching avec Ansel, levier puissant de transformation, outil puissant de changement, d'apprentissage, communication, propulseur du potentiel humain. L'Esprit du Seigneur est sur moi.